Bonjour à tous, donc merci déjà donc effectivement de suivre cette vidéo au contenu exclusif où je vais vous expliquer, donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, comment mes clients et moi-même ont réussi à lever 4 millions d'euros sur l'année 2018. Tout simplement, donc dans un premier temps, je vous propose de me présenter rapidement parce qu'il y a peut-être effectivement des personnes qui regardent cette vidéo qui ne me connaissent pas encore, et par la suite, eh bien, je vous expliquerai en 5 points comment justement j'arrive personnellement et mes clients également eh bien, à investir dans l'immobilier de manière rentable et à lever effectivement pas mal d'argent qui nous permettent soit eh bien, tout simplement d'avoir un complément de revenus à la fin du mois, soit à créer de réels revenus qui nous permettent eh bien, tout simplement de quitter notre travail pour vivre de nos revenus immobiliers, parce que oui, ce n'est pas qu'un mythe, ça existe réellement, j'en suis la preuve, et certains de mes clients effectivement en sont également la preuve vivante. Donc tout d'abord, donc, je m'appelle Florent Letta, je suis le fondateur et le gérant donc, de l'agence Prudentia Immobilier, qui est une agence en fait qui est spécialisée tout simplement dans l'accompagnement de particuliers qui souhaitent investir dans l'immobilier. Parce qu'en réalité, moi-même investisseur, donc j'ai investi tout seul, j'étais pas forcément accompagné, j'avais effectivement un entourage qui comprenait pas forcément pourquoi je voulais absolument investir dans l'immobilier, alors même que j'étais encore en CDI, puisque j'étais donc chez Decathlon, j'étais en CDI pendant 3 ans chez eux, et eh bien, lorsque j'ai acheté mon premier immeuble de rapport, j'ai quitté Decathlon pour lancer ma première société qui était spécialisée sur les placements alternatifs. J'ai donc du coup créé cette société, je l'ai gérée pendant 1 an, au final j'ai pas eu les résultats escomptés et j'ai continué à creuser vraiment beaucoup la sphère de l'immobilier. J'ai acheté un deuxième immeuble de rapport qui m'a permis, grâce à l'achat de ce deuxième immeuble de rapport, avec l'acquisition du premier 1 an avant, tout simplement de générer plus de 2000 euros de revenus nets par mois qui me permettent du coup aujourd'hui d'en vivre et donc du coup de ne pas avoir besoin d'avoir un travail salarié à côté pour vivre tranquillement. Donc voilà un petit peu pour vous résumer donc qui je suis. Aujourd'hui, donc du coup, la majorité de mon temps est consacrée à l'accompagnement des clients dans la masterclass IMO, mais également les clients de l'agence et surtout le développement eh bien, du réseau Prudentia Immobilier, puisque l'objectif, c'est d'avoir effectivement des chasseurs immobiliers qui vont vous trouver des biens rentables partout en France. Donc voilà un petit peu pour le côté qui suis-je, contextualisation, etc. Maintenant, venons-en aux choses sérieuses, c'est bien beau ce que je vous raconte, mais concrètement, vous qui regardez cette vidéo, comment eh bien, vous allez également pouvoir eh bien, tout simplement réaliser des projets rentables. C'est 5 étapes. La première étape, tout simplement, c'est votre stratégie. On en parle peu. Souvent, on me dit, voilà Florent, quelle est la recette miracle pour investir dans l'immobilier? Quelle est la recette miracle pour réussir à faire des projets rentables? Quelle est la recette miracle pour quitter mon boulot et vivre de mes revenus immobiliers? Eh bien, en fait, je leur dis que la recette miracle, elle n'existe pas. Pourquoi? La stratégie, c'est pour moi le point le plus essentiel des 5 points que l'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sans stratégie, je ne peux pas vous conseiller. Je ne peux pas vous dire, faites une colocation, faites de la location saisonnière, achetez un immeuble de rapport, achetez un petit appartement pour faire eh bien, de la location étudiante, achetez plutôt à Paris, acheter plutôt en banlieue, acheter en province, etc. Je ne peux pas vous le dire si je ne sais pas qui vous êtes. Donc du coup, comment fait-on? Que ce soit donc pour moi-même ou pour nos clients, ce qu'on fait, c'est que, eh bien, on apprend à savoir qui est la personne, combien elle gagne par mois et quels sont vos objectifs. C'est très important les objectifs car en fait, il y a des personnes qui vont uniquement eh bien, vouloir faire un projet immobilier pour gagner 200-300 euros plus par mois et du coup pouvoir aller plus souvent au resto ou partir en vacances à la fin de l'année. Il y a d'autres personnes qui vont voir l'immobilier comme la réelle possibilité eh bien, de vivre de ses rentes immobilières. Et donc du coup, là déjà, on a vraiment deux gros clients types, je dirais deux gros avatars types de personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Les personnes qui veulent un peu plus de confort, les personnes qui veulent quitter leur job pour vivre de l'immobilier. Et entre eux, ces deux avatars, on a les clients, les personnes tout simplement qui souhaitent eh bien, se constituer un patrimoine, je dirais avoir un complément de revenu pour leur retraite et transmettre un patrimoine. Donc finalement, ça c'est déjà les choses qui sont à définir en amont. Dans cette stratégie, on va également prendre en considération le temps que vous avez à consacrer à votre projet. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous conseiller de faire de la location saisonnière et du coup tous les 3 jours, d'aller faire des entrées-sorties, de passer une demi-heure pour faire le ménage, changer les draps, faire les remises de clés check-in, check-out, etc. si vous n'avez pas de temps.
Donc c'est important qu'en fonction de qui vous êtes, du temps que vous avez, des revenus que vous avez, de l'apport que vous pouvez mettre ou de la solidité financière que vous avez, eh bien, en fonction de tous ces paramètres-là, on va effectivement eh bien, vous orienter et vous allez vous positionner sur un type de projet, un type de bien plus qu'un autre. Vous allez aller effectivement sur un mode d'exploitation qui sera différent. Pour faire très simple, les modes d'exploitation, quels sont-ils ? Déjà, la base, c'est que soit on peut investir en nom propre, soit on peut investir en société, SCI, SARL de famille, SAS. Donc déjà, il va falloir effectivement qu'on puisse déterminer si vous investissez en nom propre, si vous investissez en société. En plus, il va falloir qu'on sache, en fonction du temps et des différents paramètres que je viens d'énumérer, si vous allez acheter un immeuble de rapport, une place de parking, une colocation, un appartement pour faire la location saisonnière courte durée, un appartement pour faire de la location meublée à destination d'étudiants. Bref, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez également peut-être également bien faire de la division d'appartements en achat-revente. C'est-à-dire qu'on achète quelque chose, on le retape, on le revend, ou alors on achète quelque chose, on le divise et on le revend pour prendre du cash sur du court terme que l'on va réinvestir par la suite sur d'autres projets et comme ça faire plusieurs effets leviers qui vont nous permettre en moins d'un an, par exemple, de lever entre 500 000 à 1 million d'euros pour une personne en moyenne qui gagne 2 000 euros par mois. Donc voilà exactement le type de projet que j'ai fait toute cette année 2018 pour des clients et pour moi-même et que je continue eh bien, de faire en accompagnement ces personnes. Que ce soit via la Masterclass IMO, que ce soit effectivement via nos projets agences. Donc là maintenant, la première étape, elle est réglée, c'est le fait de définir votre stratégie. Je pense du coup que vous avez effectivement cerné un petit peu ces éléments-là et j'espère que vous avez vu que c'est l'étape la plus importante. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, eh bien tout simplement, on va se mettre à la recherche du bien idéal. On va se mettre tout simplement à la recherche d'un bien rentable et on va eh bien, du coup pouvoir avoir un cahier des charges précis puisque le fait d'avoir établi votre stratégie vous permet aujourd'hui d'avoir un plan détaillé de ce que vous recherchez et ça, ça va vous éviter de perdre énormément de temps à aller au final visiter et prospecter des biens qui ne correspondent pas à votre stratégie, qui ne rentrent pas dans votre portefeuille, que vous ne pouvez pas vous faire financer. Donc du coup, ça c'est bien parce que là, on va pouvoir lancer une prospection efficace. Lorsque vous lancez votre prospection efficace, il va falloir effectivement que vous puissiez écrémer via les différents sites tels que Le Bon Coin, Paru Vendu, les annonces, afin de déjà cerner là où vous avez une potentialité, là où vous avez possibilité justement, si vous faites par exemple une division, il va falloir voir des appartements où il y a énormément de travaux, où du coup on va pouvoir les diviser pour pouvoir, entre guillemets, reprendre tout à zéro, repartir sur des bases saines et tout reconstruire, faire la division, revendre les appartements. Donc ça du coup, ça va être effectivement important de pouvoir se projeter lorsque vous allez être notamment sur un site comme Le Bon Coin afin de pouvoir voir le potentiel et d'aller faire des visites qui seront pertinentes. Parce que si vous n'arrivez pas à vous discipliner sur votre prospection, le problème c'est que vous allez passer des journées tout simplement à aller visiter des biens non rentables et vous allez vous dire à la fin de la journée « Ah, c'est bien, j'ai passé une journée sur le terrain, j'ai été visiter 10 appartements. » Mais en fait, dites-vous bien une chose très importante, c'est que visiter 10 appartements, si vous ne faites pas d'offre d'achat, si vous n'achetez pas, eh bien, à la fin du mois, vous aurez toujours zéro sur votre compte en banque, vous ne serez toujours pas propriétaire d'un appartement. Et c'est ça qui est très important avec la prospection, c'est de rationaliser cela pour se dire qu'en moyenne, on fait 10 visites pour 8 offres d'achat et 4 signatures de compromis. Donc 10 visites, 4 compromis signés. C'est ce que je fais notamment en accompagnant les personnes dans la Masterclass IMO en seulement 8 semaines. Donc voilà un petit peu concrètement, je dirais, ce qu'il est important de cerner dans la prospection. Autre conseil également et surtout, je vais casser un mythe ici, ne vous dites pas que sur Le Bon Coin, il n'y a aucune bonne affaire. C'est faux. Des bonnes affaires, il y en a tout le temps. C'est juste qu'en fait, les bonnes affaires, elles ne sautent pas aux yeux et que ça va être à vous de travailler les produits, de travailler effectivement les annonces pour cerner des potentiels, notamment quand vous allez être sur des biens à retaper de fond en comble, et bien ces biens-là, il va falloir réussir à les dénicher, il va falloir effectivement réussir à aller les chercher. Mais croyez-moi, 80% des biens que ramènent les agents commerciaux à l'agence sont des biens qui ont été trouvés sur Le Bon Coin. Donc du coup, je casse un mythe ici, Le Bon Coin, ce n'est pas fini, Le Bon Coin, ça permet effectivement de ramener de très bonnes affaires. Hop, hop, hop! Je me permets juste une petite interruption de quelques secondes
Comme vous le voyez, donc je donne énormément de contenu afin que vous puissiez eh bien, réussir vos investissements immobiliers et faire partie de cette minorité d'investisseurs ultra rentables. C'est justement la raison pour laquelle je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous rassure, ce n'est pas pour me faire plaisir, mais c'est simplement car en vous abonnant, vous allez avoir accès aux 3 vidéos par semaine que je publie sur la chaîne en étant certain de ne rien louper. Vous allez également pouvoir accéder en vous abonnant au live que je fais chaque dimanche afin de répondre personnellement à vos questions de la semaine, réservé aux abonnés. Et également, vous pouvez être choisi parmi plusieurs abonnés de la chaîne pour bénéficier d'un coaching exclusif live totalement gratuit de 30 minutes. Donc voilà les raisons, entre autres, pour lesquelles je vous invite fortement à vous abonner si ce que je vous dis jusqu'à maintenant vous parle. Si vous vous rendez compte effectivement que ce dont je suis en train de vous parler correspond à vos questions, à vos besoins, à vos attentes, n'hésitez pas à vous abonner. Et je ne vous embête pas plus que ça, je vous laisse continuer de regarder cette vidéo au contenu exclusif. Donc maintenant que vous voyez effectivement concrètement qu'est-ce qu'un bien rentable, quelle est sa rentabilité, vous allez pouvoir du coup lancer votre prospection sur le bon coin tranquillement. Il n'y a jamais d'offre en dessous du marché qui soit mauvaise. C'est-à-dire que quand vous faites une offre d'achat, vous ne faites jamais d'offre trop basse, d'accord ? Je vous conseille de lancer ce que j'appelle des bouteilles à la mer. Vous faites une offre, par exemple, 30 à 40% en dessous du marché, en dessous du prix affiché, et vous voyez un petit peu comment réagit le vendeur, et ça va vous permettre effectivement tout simplement de pouvoir tester un petit peu le vendeur, de tester les marges de manœuvre que vous avez, et c'est comme ça que vous allez faire une bonne affaire. Car une bonne affaire, j'ai souvent tendance à le dire, elle ne se fait pas à la revente, elle se fait à l'achat. Et pour bien acheter, vous devez acheter en dessous du marché. L'avantage d'acheter en dessous du marché, c'est tout simplement qu'à la revente, si jamais vous êtes pressé de vendre, vous allez pouvoir vendre un petit peu moins cher, ce qui va vous permettre de vendre un petit peu plus vite. Et au moins, vous allez augmenter ce que l'on appelle la liquidité de votre investissement immobilier. Et c'est pour cela qu'il va être important de bien négocier pour faire une bonne affaire dès l'achat. Maintenant que l'on a vu du coup concrètement la prospection et que vous êtes armé pour trouver votre machine à cash, maintenant qu'elle est entre vos mains, il va bien falloir que vous puissiez la financer. Pour financer votre machine à cash, sachez déjà que ça va être le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre parce que si vous n'avez pas votre financement, à la fin du mois, vous serez toujours à 0 euros et vous n'aurez pas acheté votre bien immobilier. Donc le financement, en fait, il y a beaucoup de choses un peu obscures. Sur le financement, on a souvent tendance à dire « oui, quelle est la meilleure banque ? Florent, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il n'y a pas une banque qui est mieux que les autres ?» etc. C'est totalement faux. Ce qui est important, c'est de miser sur la relation que vous allez avoir avec votre banquier. Je dis souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise banque, il y a des bons banquiers et des mauvais banquiers. Et ça, c'est important de le comprendre. Et surtout, vous, dans votre attitude, il y a une bonne et une mauvaise attitude pour aller voir votre banquier. Donc déjà, j'ai souvent tendance à le dire encore une fois, c'est que vous n'êtes pas uniquement qu'investisseur immobilier, vous êtes également entrepreneur immobilier. Et en tant que bon entrepreneur immobilier, quand vous allez vouloir vous faire financer, vous allez à la banque, vous devez représenter quelque chose, vous devez représenter un entrepreneur qui a la tête sur les épaules, qui est carré, qui est solide, qui est déterminé et qui a envie d'obtenir son prêt. Donc, un minimum, le style vestimentaire, quand vous allez demander votre prêt à la banque, vous essayez quand même d'être propre, d'être bien, d'être tranquille. Je ne suis pas en train de vous dire d'y aller en costard-cravate, n'en faites pas trop, mais en tout cas, allez-y vraiment de manière correcte, sereine et au moins votre interlocuteur se dira que vous êtes solide. C'est dommage, mais on est dans une société où le paraître compte énormément et votre banquier, juste à vous voir sur les 3 premières secondes, vous aura déjà catégorisé, vous aura déjà donné une image. Et croyez-moi, là où vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir un oui dans le cadre de votre financement, c'est dans votre attitude, dans votre posture et dans le côté relationnel et humain. Je ne suis pas en train de dire que les éléments techniques ne sont pas essentiels, mais ils ne vont pas faire tout et ils ne vont pas faire toute la différence. Les éléments techniques, effectivement, que ce soit pour mes clients dans le cadre de la Masterclass IMO ou dans le cadre effectivement de l'agence, on les accompagne en faisant des prévisionnels, en faisant des dossiers. En moyenne, avec toutes les annexes, on a des dossiers qui font en moyenne entre 100 et 200 pages. Et donc, ces dossiers-là, effectivement, sont vitaux. Mais ce sont des dossiers qui continuent à aller dans le sens de votre crédibilité et dans le sens justement du côté humain de la relation que vous avez avec votre banquier et sur laquelle je mets énormément d'importance.
Donc voilà les conseils que je peux vous donner effectivement pour l'obtention de votre prêt. Vraiment, mettez beaucoup d'énergie dans la posture. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, de lire « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, qui est une référence qui va vous montrer tout simplement que si vous souhaitez avoir quelque chose, mettez-vous à la place de votre interlocuteur, comprenez ce qu'il veut et répondez-y tout simplement en lui disant tout naturellement « Oui ». Typiquement, s'il faut eh bien, créer un PEA, un PEL, une assurance vie, je le ferai. Montrez-lui que vous êtes ouvert et que vous avez compris que c'est une relation donnant-donnant où vous, vous voulez un prêt bancaire, mais votre interlocuteur, vous, lui, derrière, veut peut-être autre chose. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Et du coup, je vous renvoie effectivement vers le lien du livre de Dale Carnegie, « Comment se faire des amis ». Alors maintenant, c'est bien, on arrive effectivement au troisième point. Donc les trois points sont validés, c'est-à-dire que vous avez votre stratégie, vous avez trouvé votre machine à cash, vous avez réussi à vous la faire financer. Maintenant, on va rentrer dans la quatrième étape qui est l'étape des travaux, qui est une étape où vous pouvez perdre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il va effectivement falloir que vous puissiez eh bien, tout simplement verrouiller vos interlocuteurs. Il va falloir que vous soyez sûr des personnes avec qui vous travaillez. Et d'ailleurs, une anecdote, mais qui n'en est pas une, qui est importante pour avoir travaillé avec de nombreux partenaires dans les travaux et de nombreuses sociétés de bâtiments généraux, de nombreux entrepreneurs. Le problème, c'est que souvent, on va vous demander 30 à 50% d'apport. C'est-à-dire que vous allez donner 30 à 50% du budget travaux que la banque vous a prêté à un entrepreneur que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas s'il a bien travaillé, vous ne savez pas si la société est solide, et là, vous lui donnez comme ça 30 à 50% d'apport, et vous ne savez même pas si au final, ce prestataire va venir faire les travaux chez vous. Et c'est ça justement qui est très important, parce que là, si vous donnez 50% du budget travaux à une entreprise qui ne vient jamais faire les travaux chez vous, et que quand vous essayez de mener une action juridique contre elle, au final, vous vous rendez compte que la société est en liquidation judiciaire, que faites-vous ? Vous avez perdu 50% de votre budget travaux. Au final, cette personne-là a peut-être acheté une Porsche Panamera ou une Maserati et vous, au final, les travaux ne seront jamais faits. Et je peux vous dire que quand vous allez retourner voir votre banquier pour lui dire « Bonjour, bah en fait, je me suis fait arnaquer 50 000 euros par un entrepreneur peu scrupuleux eh bien, qui n'a pas fait les travaux, que pensez-vous que le banquier va vous dire ?» Le banquier va vous dire « Écoutez, monsieur, nous, on vous avait fait confiance, on se rend compte que c'est une erreur parce que là, en fait, vous venez de perdre 50 000 euros. Il est hors de question qu'on vous refasse une enveloppe travaux de 50 000 euros. » Et là, je ne sais pas si vous percevez un petit peu l'engrenage, mais vous venez d'acheter un bien immobilier, vous avez des travaux à faire, vous avez perdu la moitié du budget, du coup les travaux ne sont pas finis, du coup vous n'avez pas de locataire, du coup vous ne touchez pas d'argent, mais vous avez un prêt à rembourser tous les mois. C'est la raison pour laquelle sur les travaux, je vous conseille fortement de verrouiller vraiment la stabilité de la société. Quel capital social a-t-elle ? Est-ce qu'elle est à jour de cotisation pour ses garanties décennales, pour sa responsabilité civile professionnelle ? Et tout ce genre justement de paramètres qui vont montrer qu'on est en face d'une entreprise qui est durable, une entreprise qui est solide et du coup qui va eh bien, pouvoir travailler avec vous sur votre projet. Et n'hésitez pas non plus d'ailleurs pour l'astuce de négocier eh bien, les acomptes que vous allez tout simplement eh bien, verser à cette entreprise. N'hésitez pas à lui dire que vous, vous allez payer au compte-gouttes 10% toutes les semaines ou toutes les deux semaines en fonction de l'avancée des travaux. Comme ça, dans le pire des cas, si vous perdez quelque chose avec une entreprise peu scrupuleuse, vous n'allez perdre que 10% eh bien, du budget de travaux et pas 50% comme je l'ai dit juste avant. Donc, vous voyez, l'étape des travaux, j'aurai encore énormément de choses à dire. Le problème, c'est que dans cette vidéo, elle est déjà d'ailleurs assez longue et je vous remercie, vous qui êtes encore présents dans cette vidéo, qui continuez justement à écouter les conseils que j'ai à vous donner. Mais sachez effectivement que sur les travaux, il y a énormément de choses à dire et c'est la raison pour laquelle dans la Masterclass Immo, on a plus de 30 heures de vidéos justement qui expliquent en détail les différents process pour tout sécuriser et acquérir un bien rentable. Cinquième et dernier point. Maintenant que l'on vient de voir justement les quatre points fondamentaux, en terminant justement par les travaux, maintenant que vous avez du coup retapé votre machine à cash, qu'elle est financée, que vous l'avez trouvée et vous avez défini votre stratégie, on va pouvoir passer à la mise en location pour commencer à générer du cash. Vous le savez, le plus important pour moi, ce n'est pas le blabla, c'est de dire qu'on voit un entrepreneur et un investisseur immobilier à succès avec le cash qu'il a à la fin du mois sur son compte en banque. Et donc, le but ici n'est pas de vendre du rêve et de vous dire que vous allez lever des millions, mais tout simplement de voir combien vous avez à la fin du mois grâce à votre investissement immobilier. Donc là, du coup, on arrive effectivement dans le vif du sujet sur la mise en location. La mise en location,
Dites-vous bien une chose, il n'y a pas de prix. Le marché, c'est vous qui le faites en fonction du positionnement prix-prestation de votre produit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un appartement miteux se loue 300 euros par mois que vous, en retapant votre appartement en ayant des prestations de qualité, vous n'allez le louer que 320 euros. Peut-être que vous serez en capacité de le louer 400 ou 450 euros par mois, tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence sur l'offre haut de gamme là où vous avez acheté votre appartement ou votre immeuble. Donc sur la location, ce que je vous conseille, c'est de faire dans un premier temps une annonce un peu fictive où vous mettez un prix assez haut sur votre appartement avec de belles photos et vous voyez si ça mord. Si le prix est trop haut, vous le baissez de 30 ou 50 euros et comme ça, vous allez tester la demande, vous allez voir à combien peut se louer de manière optimale votre appartement et au moins, vous allez louer effectivement à un prix optimal. Autre chose également sur la mise en location, je vous invite à faire des photos professionnelles. N'hésitez pas à faire des photos grand angle, des photos très lumineuses qui vont mettre en valeur votre appartement et qui vont vous permettre eh bien, tout simplement de louer plus vite et de louer plus cher. Parce que la personne qui a déjà une bonne idée en photo, qui a déjà une bonne impression, quand elle va faire la visite et qu'elle va rentrer dans l'appartement, elle aura dans tous les cas déjà une arrière-pensée positive en disant « Waouh, cet appartement, ça fait 3 jours que je regarde les photos sur le bon coin, je me dis que c'est l'appartement qu'il me faut. » Et quand la personne du coup rentre dans l'appartement, elle est déjà convaincue que c'est l'appartement qu'il lui faut. Et là, on est effectivement sur du coup de cœur. Et donc du coup, on est sur des personnes qui ne vont plus réfléchir de manière rationnelle, mais qui vont réfléchir vraiment à l'affect et au coup de cœur. Vous avez donc les 5 points eh bien, qui vous permettent de voir comment mes clients et moi-même, nous avons investi plus de 4 millions d'euros dans l'immobilier et ce de manière ultra rentable. Donc j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas également à me poser toutes vos questions en commentaire. Quels sont vos doutes? Quelles sont vos craintes? Pourquoi vous n'avez toujours pas investi? Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité d'investir, d'obtenir votre prêt et de trouver des biens rentables? Pourquoi au final vous avez peut-être l'impression d'être bloqué dans vos futurs investissements? Posez-moi toutes les questions, je prendrai le temps individuellement d'y répondre. Et si justement vous avez trouvé que cette vidéo vous a permis vraiment de vous aider et que vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube car de nouvelles vidéos arrivent très prochainement et de nouvelles surprises arrivent également très bientôt. Alors j'espère que cette vidéo de plus de 20 minutes vous aura permis de voir concrètement comment justement font cette minorité d'investisseurs qui sont ultra rentables afin de réaliser des projets immobiliers rentables qui leur permettent eh bien, de dégager de l'argent tous les mois et qui leur permettent de gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors, comme vous le voyez, donc j'ai effectivement donné beaucoup de contenu, de valeur et je vous ai montré effectivement comment je concevais l'immobilier. Si vous également, vous avez la même vision que moi sur l'immobilier et que vous souhaitez faire partie de cette minorité malheureusement d'entrepreneurs et d'investisseurs ultra rentables, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pas pour me faire plaisir comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour avoir accès effectivement aux 3 vidéos par semaine que je publie sur la chaîne en étant certain de ne rien louper. Également accéder au live que je fais chaque dimanche afin de répondre personnellement à vos questions de la semaine et également être choisi parmi plusieurs abonnés de la chaîne pour bénéficier d'un coaching exclusif de plus de 30 minutes et ce totalement offert. Voilà les raisons du coup pour lesquelles je vous invite fortement eh bien, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous.